j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube. Pour vous expliquer le concept, c'est tout simple, mais déjà, j'ai remarqué que sur YouTube, il y avait beaucoup de vidéos du type transformation physique en 3 mois, etc. Et le problème avec ce genre de vidéos, pour moi en tout cas, c'est que de 1, ça met des contraintes temporelles pour atteindre des objectifs physiques, et de 2, ça prend pas en compte le fait qu'il est aussi important de trouver une routine dans laquelle non seulement on se sent bien dans notre corps, mais aussi dans laquelle on se sent bien mentalement. Du coup, après plusieurs mois, en ayant perdu mes habitudes qui faisaient que moi, je me sentais bien personnellement, c'est-à-dire une alimentation gourmande mais équilibrée, des sports et des activités physiques qui me plaisent, et ben j'ai décidé de retrouver ces habitudes avec vous dans cette série de vidéos YouTube. Du coup, j'ai nommé cette série par la phrase par laquelle je termine toutes mes vidéos depuis le début de ma chaîne, c'est-à-dire prenez soin de vous, kiffez la vie, parce que encore une fois, le but c'est pas de s'imposer des contraintes en termes de sport, des restrictions dans l'alimentation, mais le but c'est simplement de se faire du bien, de se faire plaisir tout en profitant de la vie. Et du coup, cette première vidéo, elle est tout simplement introductive, c'est pour ça qu'elle a pas de thématique particulière. Je vous ai filmé quelques moments de ma semaine et aussi tous mes repas de cette semaine pour vous montrer déjà comment j'ai repris une alimentation qui me correspond à moi, c'est-à-dire des assiettes variées, gourmandes, colorées et équilibrées. Et les prochaines vidéos, elles auront sans doute des thématiques plus particulières comme la reprise du sport et d'autres choses comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous laisse avec les plans que j'ai filmés cette semaine et je vous fais de gros bisous et voilà, c'est tout. I think the hardest part was the acceptance that I let you slip in. And maybe I could fall. Just try to remember who surrounded you. From all the heaps of fallout new to all. Well, maybe I could give it all. Cause when you said it wasn't much, a single call. Well, how do I take your word well over his? Yeah, how do I take it for less than it is? Nous sommes mardi, il est actuellement, attendez je vais vous dire ça, il est 17h58 et j'ai littéralement passé toute la journée à télétravailler à mon bureau. J'ai commencé ce matin à 8h, du coup autant vous dire que là j'en peux plus. Donc j'ai décidé de sortir me balader un petit peu parce que j'ai remarqué que pour ma santé mentale, ça me faisait beaucoup plus de bien et mes journées étaient beaucoup plus agréables à vivre quand je sors, même si c'est juste le temps de 30 minutes, 1h, avec un petit podcast, un petit peu de musique pour prendre l'air et m'aérer quand je télétravaille. Donc c'est ce que je vais faire ce soir et je vous emmène avec moi comme d'habitude. It's not funny when you try to change the subject. Oh, it's not funny. I feel like I'm emotionally alone. It's not funny, but you act like it's a joke. Oh, and we both know you don't talk about your emotions. Coucou, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, il est un peu plus de 18h30 et aujourd'hui j'ai décidé de faire un truc que j'ai pas fait depuis une éternité, c'est-à-dire mettre une tenue de sport, mais c'est pas tout, je vais sortir courir. Voilà, pour tout vous dire, j'en ai marre d'être devant mon ordi toute la journée enfermée chez moi, donc là j'ai décidé de prendre l'air et d'aller courir, sachant que la dernière fois que j'ai fait ça, ça devait être il y a à peu près 6 mois, donc autant vous dire que la performance ne sera pas du tout la même, mais c'est pas grave. En vrai, là, je sors plus pour prendre l'air et m'aérer l'esprit que pour faire une grosse séance de sport, donc ça va être parfait. En tout cas, je vous emmène pas avec moi parce que je peux pas prendre ma caméra, mais vous serez avec moi dans les pensées et souhaitez-moi bonne chance parce qu'il fait 5 degrés, je crois, donc ça va être dur. Bon, les amis, je viens de rentrer. Attendez, je vous pose là, ça sera plus simple. Clac. Je viens de rentrer, il est à peu près 19h30 et j'ai couru 4 km. Il faut que je vous dise, quand j'étais à peu près 10 minutes de footing, j'ai eu une envie de faire pipi, mais un truc de fou. Et genre après ça m'a poursuivi pendant toute ma course, donc juste dans ma tête je me disais dépêche-toi pour pouvoir aller faire pipi et tout. Mais en vrai j'aurais pas pu faire énormément plus dans tous les cas parce que comme je vous ai dit c'est une reprise, donc j'y vais doucement. Et quand je suis rentrée après j'ai fait une petite séance d'abdos et de gainage pendant 10 minutes à peu près.
Donc voilà, je suis plutôt contente de moi parce qu'en fait rien que le fait d'avoir réussi à me changer, à me mettre en tenue de sport, à sortir dehors même s'il faisait froid, etc. et à me vider la tête, vider l'esprit et à bouger un petit peu mon corps alors que ça faisait à peu près 6 mois que j'avais pas fait de sport, et bah ça me fait trop du bien, ça me fait trop du bien mentalement et je suis fière de moi et c'est la meilleure chose. Donc voilà, je suis contente d'avoir fait cette séance même si c'est pas une séance pour transformer mon corps, avoir une bête d'évolution physique, etc. C'est une séance qui m'a fait du bien à la tête et c'est franchement le plus important, je vous jure. Donc voilà, je vais aller me faire à manger et prendre ma douche parce que du coup maintenant j'ai grave faim et on se retrouve tout à l'heure, je vous montrerai mon repas comme d'habitude et voilà, c'est tout. Du coup pour ce soir j'ai une big assiette avec du curry de légumes fait maison. Dedans il y a de la patate douce, des carottes et des poireaux. Et après j'ai une salade de choux avec du pesto rosso et des oignons frits comme à tous mes repas, je pense que vous l'avez remarqué. Mais voilà, ça va être trop bon et mon assiette est vraiment énorme en plus. Alors nous sommes vendredi et pour ce midi je me suis fait un truc ultra rapide sachant que j'ai pas hyper faim comme j'ai petit déjeuné tard. J'écoute mon corps comme d'habitude et je me suis fait de la soupe à la tomate. Et avec j'ai deux falafels que je viens de faire réchauffer au four qui viennent de chez le traiteur libanais qui est en bas de chez moi qui est trop bon. Bon j'ai un peu fait cramer lui mais c'est pas grave. Et voilà. Du coup je vais clôturer cette vidéo maintenant même si elle était un peu brouillon et messy. J'espère qu'elle vous aura plu et que cette introduction à ce nouveau concept sur ma chaîne YouTube vous plaît et vous fait plaisir. Si jamais vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire dans cette catégorie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je sais que je pense consacrer la prochaine à ma routine sportive. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos pour cette série que je vais faire. Et si jamais vous voulez ne pas louper les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, kiffez la vie, ciao, à la semaine prochaine. Made of people in my dreams. The last time, if I recall, was a feeling.